Alors, comme dans tout milieu public, il est recommandé dès la primaire de prévoir des toilettes garçons et des toilettes filles séparées, et si possible, une toilette pour personnes à mobilité réduite. On prévoira des séparations nettes entre les WC garçons et les WC filles, des cloisons, des petites parois entre les urinoirs, des portes et des cloisons qui ferment sur toute la hauteur. Dans les maternelles, on prévoira un cloisonnement permettant de maintenir un encadrement par l'adulte et évitant à l'enfant un sentiment d'enfermement tout en maintenant une certaine intimité. On prévoira de manière générale des verrous qui ferment et on limitera le nombre d'élèves à la fois dans les sanitaires pour favoriser l'intimité. On n'oubliera surtout pas l'occultation des fenêtres qui donnent sur la cour.